Voici une tâche du domaine des probabilités. Quelle est la probabilité d'obtenir une somme de points égale à 9 lors du jet de 2 dés discernables, soit par leur taille, soit par leur couleur? Si on sait que un de ces 2 dés au moins montre 6. Rédigeons d'abord la catégorie d'épreuve de cette expérience aléatoire. Et appelons l'événement A, l'événement la somme est égale à 9. Regardons dans notre tableau. Les issues appartenant à cet événement sont ces quatre issues-là. Là, on a bien la somme est égale à 9. Appelons B l'événement au moins un des dés montre 6. Dans notre tableau, voilà l'événement B, qui contient 11 éléments. La probabilité de l'événement A sous la condition de l'événement B se calcule par cette formule-là. Donc, nous calculons la probabilité de A inter B, c'est-à-dire une deux possibilités sur les 36 divisées par la probabilité de B, c'est-à-dire 11 possibilités sur les 36. Donc cette fraction se calcule par 2 36e sur 11 36e, ce qui donne 2 onzièmes. On peut aussi procéder sans appliquer la formule parce que la probabilité que l'événement A se réalise à condition de l'événement B, ces 11 possibilités, est égal au nombre de cas favorables, c'est-à-dire ces deux-là, divisé par le nombre de cas possibles, c'est-à-dire ces 11. Donc il est évident que ça donne 2 onzièmes. Et voilà, la tâche est déjà terminée.